Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour, monsieur Chaumont. Macron, Castaner, ils sont tombés sur la tête? Qu'est-ce qui leur arrive là? J'avais déjà vu beaucoup de choses, mais la police, franchement, gazer les pompiers, ça me révulse un tout petit peu. Les gazer, les matraquer. Les matraquer. Tirer dessus! LDB, LBD, pardon, oui. C'est un truc de fou là quand même. J'ai l'impression que si le gouvernement voulait vraiment se manifester en mal, il ne pourrait pas mieux s'y prendre, très franchement. Oui, parce que je pense quand même que les pompiers, c'est une institution que les Français adorent. Oui. Ils adorent. Le bal des pompiers, c'est symbolique. Le 14 juillet, c'est symbolique. Il ne faut pas toucher aux pompiers. C'est comme si on touche aux médecins, aux infirmières. C'est pareil. On ne touche pas. On ne touche pas. On est content d'acheter leur calendrier. On est content de voir qu'ils sauvent des vies, qu'ils sont là en cas d'urgence. Qu'ils perdent quelquefois la vie pour en sauver d'autres. Aussi. Qu'on abuse beaucoup de leurs services également, oui. Parce que oui. Souvent, pour la bobologie. La bobologie, exactement. C'est quand même terrible. Ah, là, vraiment, je suis outré. Ah, depuis hier soir, je ne décolère pas, moi. De voir ça. C'est intolérable. C'est une démonstration du gouvernement qui, j'ai l'impression, vise vraiment à nous montrer à quel point ils sont mauvais et incompétents. J'irai même peut-être plus loin. Je me demande s'ils ne cherchent pas la raison pour nous pousser à la révolte. On peut se poser la question. Afin de pouvoir réagir de façon ultra-violente. On nous cherche. On nous cherche. Ouais. Ils vont nous trouver. Hein. Ah, ils vont nous trouver, c'est écrit. Bien, Serge Petit-Demange, nous vous écoutons. D'accord, merci Monsieur Chaumont. Ce qui m'a décidé à réaliser cette vidéo, c'est l'horreur irréparable, impardonnable, commise hier 15 octobre 2019 par la police politique de Macron à l'encontre des sapeurs-pompiers de France, ces hommes et femmes volontaires qui risquent tous les jours leur vie pour en sauver d'autres, pour sauver votre vie de policier, celle de votre famille. Et vous, abrutis sauvages, vous leur tirez dessus, vous les matraquez. Obéir aveuglément, idiotement aux ordres de Macron-Philippe Castaner ne vous exonère pas de votre propre responsabilité. Et je ne veux pas oublier l'armée, la grande muette. N'est-elle pas devenue la grande sourde? La grande aveugle? Certains disent la grande lâche. Où êtes-vous les mercenaires étoilés de Macron? Le message délivré hier soir, 15 octobre 2019, par maître Sophia Albert Salmeron, est un exemple à suivre, une source qui devrait inspirer celles et ceux qui disposent de certains moyens, sinon de moyens certains. Nous écoutons maître Sophia Albert Salmeron. Bonsoir à tous. J'ai passé ma journée à assister à un gilet jaune lors d'une garde à vue. J'avais pas mon téléphone. Je rentre ce soir, et après avoir répondu à mes messages et appels téléphoniques, je me connecte, pensant me connecter que 5 minutes sur les réseaux sociaux, et là, j'apprends comme vous, que nos pompiers, ont été encore victimes de ces forces de l'ordre qui se croient aujourd'hui tout permis. Ces forces de l'ordre qui se croient tout permis, pourquoi ? Parce que là-haut, on leur dit rien, voire même on leur donne les ordres. Mais parce que la justice est instrumentalisée par eux et joue le jeu. C'est-à-dire qu'elle condamne même sans preuve. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pensez vraiment à ce stade? Au stade où on touche nos propres pompiers, ceux qui nous sauvent la vie, sauvent la vie de nos proches. À ce stade, on va leur pardonner? Et on ne va rien faire. Pour ma part, je les traquerai jusqu'au dernier, en tout cas jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est une promesse. Il faut sensibiliser la justice. Prenez rendez-vous avec les magistrats, montrez-leur ce qu'il se passe vraiment, pour que les prochains dossiers qui arrivent sur leur bureau, eh bien, ils prennent tous les éléments en considération et qu'ils arrêtent de croire tout ce que les forces de l'ordre disent, et notamment la BAC. Il faut bouger maintenant. En tout cas, je ne remercie certainement pas
Et je dis pas bravo à tous mes confrères qui, depuis le début, ne se bougent pas. Pensant que les gilets jaunes sont des casseurs, que ça sert à rien, qu'il faut pas aller prendre leur défense parce que c'est eux qui l'ont bien cherché et nos pompiers l'ont cherché aussi. On va les laisser faire encore et encore. Voyez toutes les vidéos qui circulent. Les pompiers sont des menteurs peut-être aussi. Je ne comprends pas. On a embrassé cette profession, mais c'est pour traquer notamment les injustices, pour défendre les droits et libertés de tout le peuple français, et non pas pour être dans son petit confort et ne pas bouger d'une oreille lorsque ça va pas. On attaque nos pompiers, vous n'allez encore pas bouger? Je fais un appel à tous les bâtonniers, moi, et au syndicat national de la magistrature aussi, pour que chacun se rende compte de ce qui se passe vraiment. Réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous avant que le peuple soit trop en colère et qu'il ne soit trop tard. Et trop tard pour ceux qui n'auront pas, d'ailleurs, voulu nous aider. Parce que malheureusement, dans tous les conflits de ce type, eh bien ceux qui ont marché avec les gouvernements dictateurs ont été punis un jour ou l'autre. C'est là que vous voulez en venir à des lynchages privés? C'est ça que vous voulez? Mais continuez, vous êtes sur la bonne route pour ça. En tout cas, moi je ne ferai pas partie de votre lot. Ça c'est une certitude parce que moi je suis avec le peuple et toujours avec le peuple. Quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez. Bon, c'est trop facile de me tourner le dos pour certains parce que je prends la défense de ce mouvement. Mais si je prends sa défense, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai vu ce qui s'est passé vraiment dans les manifestations. J'ai vu ce qui se passe vraiment à l'égard de ces manifestants pacifistes. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Donc soit tous les corps de métier se réveillent, soit c'est le début de la fin. Et de la fin pour qui? Je viens de vous le dire. Voilà. Ne sous-estimez pas le peuple. Ne le sous-estimez surtout pas. Surtout que là, on touche à des corps de métier auxquels on tient particulièrement. Donc, réveillez-vous, s'il vous plaît, parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Merci. Franc-maçon spéculatif Macron, tu étais déjà qualifié de psychopathe. Tu es devenu un dictateur. Tu es maintenant un criminel. Certains d'entre vous m'affirment dans leurs commentaires que la révolution de 1789 a été fomentée par les francs-maçons, que ce sont eux qui ont coupé la tête de Louis XVI et organisé la terreur. De ce que j'ai appris à l'école et ce que j'en ai retenu, c'est qu'à cette époque, le peuple d'alors, les serfs, les manants, aujourd'hui les sans-dents, ceux d'en bas, ceux qui ne sont rien, les feignants, les alcooliques, etc., etc., n'avaient pas la vie drôle, juste bon qu'ils étaient à payer les impôts et se taire, subir, sinon. Les francs-maçons de l'époque, n'ayant connu jusqu'alors qu'un seul système de gouvernance, de direction des affaires de la France, prenaient leur revanche sur une royauté autoritaire, despotique, tyrannique, dictatoriale. Dans la nuit du 4 août 1789, 21 jours après la prise de la Bastille, ces francs-maçons ont décidé d'abolir les privilèges. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le 26 août 1789, 43 jours seulement après la prise de la Bastille, les francs-maçons de l'époque ont écrit un texte dont ils étaient sûrement à mille lieues de se douter que ce texte deviendrait une référence mondiale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC. À la lecture de cette déclaration solennelle, éternelle, il est aisé de se rendre compte que l'esprit de ces francs-maçons-là était plus dirigé vers la liberté, l'égalité, la fraternité. J'en veux pour preuve. Préambule de cette déclaration. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1er. Les hommes naissent, demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et l'article 16, le plus précieux. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Me référant aux articles 2, 7, 11, 12 et 15, je développe cet article 16. Deux motifs distincts clairement exprimés par les francs-maçons de l'époque, si j'en crois toujours celles et ceux qui commandent mes vidéos, déterminent si la France a ou non encore une constitution. Contre vents et marées, j'ai déjà longuement, patiemment, précisément développé le fait que le décret Valls numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016, plaçant l'autorité judiciaire sous le contrôle du ministre de la Justice, donc sous le contrôle de l'exécutif, violait la sacro-sainte séparation des pouvoirs et de ce fait déclenchait le mécanisme de disparition de la Constitution prévu à l'article 16. Maintenant, la première raison évoquée pour affirmer que la France a plus de constitution. Quels sont les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen? La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le franc-maçon Macron, l'usurpateur, et son gouvernement criminel majoritairement franc-maçon, Philippe, Castaner, Nunez, Belloubet, les députés du franc-maçon Ferrand, les sénateurs du franc-maçon Larcher, garantissent-ils la liberté? Non! Le franc-maçon Macron, l'usurpateur, et son gouvernement criminel majoritairement franc-maçon Philippe, Castaner, Nunez, Belloubet, les députés du franc-maçon Ferrand, les sénateurs du franc-maçon Larcher, garantissent-ils la propriété? Non! Le franc-maçon Macron, l'usurpateur, et son gouvernement criminel majoritairement franc-maçon, Philippe, Castaner, Nunez, Belloubet, les députés du franc-maçon Ferrand, les sénateurs du franc-maçon Larcher, garantissent-ils la sûreté? Non! Que reste-t-il alors au peuple? La résistance à l'oppression, clairement reformulée le 24 juin 1793, par les francs-maçons de l'époque, en son préambule
est l'article 35 de la deuxième déclaration des droits de l'homme. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat, la règle de ses devoirs, le législateur, l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame, en présence de l'être suprême, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. Article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. À celles et ceux qui affirment que ce sont les francs-maçons de l'époque qui sont à l'origine de nos problèmes d'aujourd'hui, je leur réponds que c'est faux. Personnellement, au vu de leurs engagements écrits, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Et les risques évidents de laisser leur tête dans le panier de son de la guillotine, je vais jusqu'à les qualifier de patriotes. À la lecture de ces deux textes fondamentaux qui ont donné naissance à la République, on constate que la volonté de ces francs-maçons-là était tournée vers la liberté, l'égalité, la fraternité, le respect d'autrui, l'aide aux démunis, la protection des indigents, l'amour de son prochain, le bonheur du peuple. Qu'en est-il aujourd'hui? Sous couvert de grandeur d'esprit, de bonté d'âme, de vertus humanistes, des sectes criminelles se sont formées afin de profiter spéculativement de ce qu'offraient ces déclarations écrites avec le sang de nos ancêtres, en les détournant de leur esprit originel. Sous couvert du secret, de l'ombre maléfique, ces malfaiteurs en bande organisée ont, en France, réussi un coup d'État, se rendre maître de toutes les institutions de la République afin de réduire les Français en esclavage. Un retour aux sources du malheur du peuple de France d'avant 1789. Personne n'a rien vu. Beaucoup continuent d'être aveugles et sourds, de crier au complot, de jouer les vierges effrayées, m'insulter, me menacer. Il est vrai que les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, d'où la crainte viscérale de ces voyous lorsqu'ils sont placés en pleine lumière, lorsqu'ils sont découverts. Mais comme si ça ne leur suffisait pas, c'est l'Union européenne tout entière que nous autres Français avons refusé à plus de 54% le 29 mai 2005, mais qui nous a été imposée par Sarkozy le 13 décembre 2007, qui est placée sous le joug de ces criminels pédophiles assassins. L'affaire mondiale, donc européenne, donc française, l'affaire Epstein, en est la preuve éclatante, horrible. Le peuple de France émerge de sa torpeur. Il se réveille de 50 années durant lesquelles des crimes abominables ont été commis, des mensonges, des manipulations, des escroqueries, des malversations en tout genre, tout ceci illégalement couvert par une certaine magistrature parjure. Considérant que sans la base, nous, ces délinquants ne sont rien, il existe une possibilité légale de lutter contre cette vermine. Dans tous les pays, existent des associations déclarées ouvertement en lutte contre le gouvernement, aussi criminel que l'est le gouvernement français actuel. Que ces associations de volontaires courageux, patriotes, prennent contact avec Renaissance française. L'adresse courriel mrrdc70@aol.com. Un premier lien indéfectible. La première pierre a été scellée le 12 janvier 2009 avec le mouvement de libération de l'Italie. La Charte mondiale des peuples libres et souverains prenait officiellement corps. Ce lien extraordinaire est le fil conducteur qui va faire des peuples qui le souhaitent
les maîtres de leur destinée, leur reprise en main de leur destinée, en abolissant la dictature, l'esclavage moderne, en éradiquant la franc-maçonnerie, Bilderberg, Davos, le siècle, les young leaders, les banques commerciales, les partis politiques, etc., etc. La liberté n'a pas de prix. Elle est un bien commun et doit être la propriété de tous.